Ce qu'il y a surtout. À droite, c'est ça, hein? Très dynamique et puis très créative, nous a quittés pour rejoindre Henri. Alors il y a deux œuvres que nous avons terminées pour elle et qui seront rendues à ses filles. Voilà. Donc je voulais remercier donc la municipalité qui, enfin, et Monsieur le maire en particulier, les dames aussi du conseil Madame municipal, Beaulieu. Madame Beaulieu, avec qui nous faisons des activités. Voilà. Je voulais remercier aussi toutes les adhérentes qui m'ont bien secondée pour préparer cette exposition, et beaucoup aussi les messieurs, les conjoints qui nous ont installé les patchs en hauteur, et en particulier Michel, voilà, qui nous a prêté ces jolis cerfs-volants, voilà, qui fait partie de deux associations, Ecoléole et au Quai Mistral, et il a... C'est un recordman de. Il fait des très très beaux cerfs-volants, très longs, et je crois qu'il a été récompensé plusieurs fois. Je voulais aussi remercier France Patchwork qui assure nos patchworks. La courte pause, parce que c'est grâce à elles que le Secours Pradien s'est retrouvé dans cette salle. Elles ont gentiment accepté de changer de local pour nous, hein, le lundi après-midi. Oui, mais on n'a pas perdu au change. Vous n'avez pas perdu au change, mais j'en suis contente, et nous non plus, parce que ça a quand même permis une fluidité dans la distribution de l'aide alimentaire. On était dans la boutique du Secours Pradien, je ne sais pas si vous voyez où elle est là-bas, un tout petit local, et donc voilà. Aider Monsieur le maire qui nous a permis de réaliser un petit magasin là derrière. Donc c'était très bien. Donc, merci beaucoup à vous. Donc vous voyez, j'ai
deux raisons d'être très contente, hormis le fait que c'est très beau et que je vous encouragerais presque à nous en laisser quelques-unes au mur, tellement c'est beau. Mais peut-être que M. le maire va donner une autre idée, peut-être. Moi, je voulais dire qu'en arrivant, j'étais surpris. Parce que je suis rentré dans le foyer rural de Prat et par inadvertance, j'étais chez Harry Potter. Et en plus, je me suis dit, ça décolle. Voilà. Donc, merci à vous pour les cerfs-volants. Je trouve que ça rajoute une dimension, peut-être la troisième, qui manquait à l'exposition. Alors, sur la qualité des choses qui sont exposées, Hélène, peut-être qu'on pourrait proposer au conseil municipal, non pas de demander à ce qu'il la laisse au mur, mais on pourrait peut-être l'acheter. L'acheter, oui. Choisir une et l'acheter. Voilà, nous proposer de faire une chose spéciale pour... Voilà. Ça peut être ça aussi, ça peut être une commande, oui, pourquoi pas. Alors là, une bonne idée. Oui, on en parlera. Voilà. Donc on va proposer ça au conseil municipal. Voilà. Avec un certain taux de pourcentage de réussite, hein, oui. D'après l'article de ce matin dans le journal. Donc moi, je suis stupéfait de l'effet. Je suis toujours un peu dans le figuratif. Moi. Je suis espanté, comme on dit ici. Je préfère le figuratif, mais tout est beau. Merci de participer aussi à la vie du village. Alors vous avez dit que vous n'avez pas perdu au change. Au lieu de venir là, vous allez à la salle du conseil, donc pas plus mal.